Lorsque le levier de vitesse passe à la position de marche arrière, votre écran change pour afficher une image en direct de la zone située immédiatement derrière votre véhicule. Le cas échéant, les lignes colorées affichent la distance approximative entre un objet et votre pare-choc arrière. La ligne rouge indique qu'un objet se trouve à environ 0,5 m. La ligne jaune indique qu'un objet se trouve à environ 1 m. La ligne verte indique qu'un objet se trouve à environ 2 m. Lorsque le volant est tourné, des lignes de trajectoire prédictives sont affichées à l'écran, le cas échéant. Ces lignes indiquent la trajectoire approximative du véhicule. Les lignes de trajectoire prédictives se déplacent au fur et à mesure du braquage. Pour régler l'écran de la caméra de marche arrière, le véhicule doit être immobile. À partir de l'écran du menu principal, touchez « Réglages ». Touchez « Caméra ». Touchez « Réglages de l'affichage ». Touchez « Luminosité », « Contraste », « Nuance », « Couleur » ou « Niveau de noir ». Ajustez l'élément en touchant la touche « Plus ou moins » sur l'écran tactile. Certaines températures et d'autres conditions pourraient nuire momentanément à la clarté de l'image de votre écran. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.